Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour la guidance journalière. Donc j'espère que voilà, que tout le monde va bien. Donc bah écoutez, c'est parti. On va voir un petit peu l'énergie donc d'abord du jour avec mon oracle, ouais, de Jésus d'amour. Il est en précommande hein, dans une autre version. Hein, celui-ci, voilà, vous pouvez aller voir, tout est sur Etsy. Donc on y va, on va voir un petit peu ce qui se passe ici au niveau donc de cette journée, hein, l'énergie de cette journée, de quoi on veut vous parler. Et puis après, on fera le petit tableau, on prendra les tarots, on ira plus en détail aussi au niveau sentimental. J'ai mon chat qui commence à embêter. Donc on a le voyage déplacement richesse du cœur. Donc encore une fois on vous parle hein, de ce déplacement, ce voyage qui est là et on a la richesse du cœur. Donc c'est vraiment comme si ça allait vous apporter mais quelque chose de très très grand hein, ce déplacement. Si vous avez un voyage à faire peut-être, je sais pas, durant les vacances là. Ou alors, c'est tout simplement un déplacement, mais vraiment, voilà, c'est pas forcément un déplacement lointain, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'est un moment qui, pour vous, va être très bénéfique. Hein, ça ressort vraiment assez souvent en ce moment. Donc, on va voir avec, du coup, le côté donc général, avec mon oracle obsidienne de Maria, hein. Que vous avez aussi en précommande. Donc c'est parti. On va faire le petit tableau. Allez, c'est parti. Personne néfaste. Personne néfaste ici qui a sauté. Allez, on y va. Confiance en soi hein, qui veut ressortir. Hein. Vous avez une confiance en vous. Cette journée, vous allez, je pense, prendre confiance en vous de plus en plus. L'énergie principale du jour. Destruction. Mensonge. Ouh! Destruction de mensonge pour cette journée. Ah ouais, alors là, les mensonges seront mis à terre. Termination les mensonges, les belles âmes. Ah bah ouais, là, vraiment, hein, là, on vous dit clairement, hein, mensonge, destruction. Donc là, si quelqu'un vous ment, effectivement, bon, là, c'est clair ici, hein, y a un mensonge, c'est la destruction, là. Là, vraiment, c'est fini. Plus de mensonges. En gros, il y aura la découverte. Pour moi, il y a une découverte de mensonges ici, flagrante pour cette journée. Hein. Voilà. Enfin, en tout cas, je dis pour cette journée, mais voilà, voilà, vous savez hein, maintenant que dans l'énergie du jour, ça peut être pour d'autres personnes ce jour-là, pour d'autres, ça peut être par exemple ce week-end, pour d'autres lundi ou mardi, voilà. Mais il y a vraiment une destruction d'un mensonge, un mensonge qui est à terre, là. Termination. Alors ça, c'est bien parce que vous allez découvrir la vérité, en fait. Allez, bah du coup, on va découvrir les autres cartes. On a la passion, oh! On a tout de suite la passion hein, qui ressort hein, en première carte. Hein. Loisir, d'accord. Peut-être que vous allez faire beaucoup de choses que vous aimez. Hein. Personne fausse, regardez, on retrouve, vous voyez la personne fausse. Blessure, ok. Soins énergétiques, petit tracas, union et grosse dispute, gros désaccord. Je pense que le mensonge ici qui va être détruit, je pense effectivement que... En tout cas, je ressens hein, que c'est vraiment en rapport avec cette grosse dispute.
Il va y avoir une grosse dispute ici. Alors, est-ce que vous êtes en couple? Parce que là, moi, ici, ça parle de quelqu'un qui est en couple, qui va découvrir que cette personne est fausse, dans le sens où il y a des mensonges, effectivement. D'accord? Donc, voilà, vous allez découvrir des mensonges ici de la part de la personne avec qui vous êtes actuellement, ou avec qui vous flirtez, ou avec qui vous êtes en train de... Voilà, peut-être que vous êtes en train de flirter, ou vous connaissez depuis pas trop longtemps, ou alors vous êtes vraiment en couple depuis longtemps. Bon, dans tous les cas, là, ça parle de ça. Il y a un mensonge, vous allez découvrir, ça va vous blesser, forcément, hein. Mais c'est un mal pour un bien, parce que les mensonges vont partir... Enfin, voilà, c'est bon, vous allez découvrir la vérité, quoi. Vous voyez? C'est un mal pour un bien, en fait, quelque part, hein. Mais vous aurez besoin de faire des soins énergétiques, ou un gros soin énergétique, voilà, des prières, etc., pour vous sentir mieux, de suivre vos loisirs, de suivre vos passions. Ça, c'est très important également. Pour vraiment guérir de cette blessure-là, en lien avec ce mensonge. On va mettre une carte ici sur cette destruction mensonge. Le bon chemin. Voyez, hein? Le fait de découvrir ce mensonge, ça va vous mener en fait vers le bon chemin. Je vous dis, c'est un mal pour un bien en fait. Voyez? Parce que là, eh ben, vous allez vraiment aller vers le bon chemin, la bonne route. Avec une grande protection et qui vous mènera vers le grand amour, le véritable amour. Hein. Sur le bon chemin, on a la jalousie. Hein. Donc vous voyez, il y aura des personnes jalouses. Par contre, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, des personnes jalouses qui seront très jalouses, voilà, sur le fait que vous allez vers le bon chemin, en fait. Parce que quand vous allez vers le bon chemin, bah vous allez vous libérer, il y aura le succès, etc. Et là, on a la sensualité, donc j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus, je sais pas, il y a comme, vous allez beaucoup attirer en fait, voyez, sensualité, peut-être que vous serez beaucoup plus attirant, attirante, parce que vous vous sentirez mieux, et du coup, ça va attirer en fait encore plus, bah ça va attirer beaucoup de personnes en fait autour de vous, quoi, tout simplement. Voyez, passion et loisirs. Donc passion. Passion, confiance en soi. Voilà, c'est ça. En fait, le fait d'avoir confiance en vous de plus en plus, hein, vous mène vers une guérison et donc vous mène vers une sensualité, c'est-à-dire vous allez attirer vraiment les personnes autour de vous. Ok. Ouh, on a beaucoup qui veulent arriver là. Voilà, vérité, voyez? Vérité, attraction intense. Le fait de découvrir cette vérité va vous attirer encore plus. Hein. Et là, lenteur et tristesse, pour moi, c'est l'autre personne. Hein. Elle va être très triste. L'autre personne sera très triste. Hein. Elle va s'en vouloir. Hein. Je sens vraiment de la culpabilité venant de cette personne par rapport à ce mensonge. Ok. Grosse dispute ici. Qu'est-ce qu'on peut dire? Épanouissement. Vous voyez, hein? Par rapport à cette grosse dispute, je vous dis encore une fois, c'est un mal pour un bien. On va voir sur la personne fausse. Confusion, voyez? Elle sera complètement confuse, hein, cette personne, elle sera complètement perdue, paumée, enfin, tout ce qu'on veut, quoi. Ouais. Pourquoi elle sera confuse? Personne néfaste, bah ouais, parce que forcément, elle va comprendre qu'elle a été vraiment pas bien avec vous. Voilà, qu'elle s'est comportée de manière néfaste, toxique, mal. Du coup, elle va rester avec ses blessures, hein. Ouais. Elle va beaucoup apprendre, hein. Ça sera vraiment une grande leçon pour cette personne. Ça sera vraiment une très grande leçon. Le fait de vous perdre sera une très grande leçon pour lui ici ou pour elle. Voilà. Petit tracas. On a des petits tracas. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Invité. Et lenteur. Ah, il y a quelque chose qui vous tracasse.
Bon, c'est pas un gros tracas, c'est un petit tracas, hein. C'est pas non plus quelque chose de grave, mais ça vous tracasse un petit peu de voir qu'une situation en fait prend son temps, qu'une situation est peut-être un petit peu lente, un petit peu en retard, et c'est une invitation. Donc vous attendez peut-être une lettre ou une invitation d'une personne ou d'une situation. Ça peut être aussi au niveau du travail. En tout cas, c'est avec les loisirs, donc c'est peut-être, voilà, c'est en rapport peut-être avec quelque chose que vous aimez. Peut-être que vous attendez simplement cette invitation ou cette réponse ou quelque chose comme ça. Ça prend un peu de temps, mais d'un seul coup, tout va s'accélérer parce que vous prenez vos responsabilités en main. Trahison, tient sa parole, honnête, ouais, c'est ça. En fait, là, prière, voyez, prière. C'est ça, en fait, ici, à partir du moment où vous allez tout découvrir ici, eh ben, les choses vont s'accélérer parce que vous êtes une personne honnête, parce que vous priez, vous demandez à l'univers. Et donc, par rapport à tout ça, cette trahison hein, que vous allez découvrir, les choses vont s'accélérer et l'abondance va venir à vous, tout simplement. Voilà. En tout cas, il y aura un soin ici, hein. Se sentir soulagé, vous voyez, soin énergétique, se sentir soulagé. Vous avez besoin, hein. D'abord, vous aurez besoin hein, de prendre soin de vous, de faire des soins énergétiques, hein, ici, comme on le dit, hein, en tout cas de méditer, de prendre soin de vous, etc., pour vous sentir mieux. Gentillesse. Vous êtes une personne très gentille et c'est pour ça que vous allez, voyez, sortir de l'illusion, hein. Vous allez sortir de l'illusion par rapport à cette personne-là, hein. Il y a vraiment une sorte d'illusion ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez. Ne pas être en moquerie, humiliation, agressivité. Moi, pour moi, ici, c'est... Voilà, on découvre, voyez, le diable, quoi. On découvre le diable, hein. Mais juste après, on a quoi? Ben, voilà. On a la plus belle carte, hein, bonheur, triomphe et joie, qui est là. Voilà, encore une fois, on vous dit bien, encore une fois, un mal pour un bien. Par contre, voyez, on vous conseille hein, de ne pas être dans, par exemple, l'agressivité. Une fois que vous allez, parce que bon, voilà, quand on découvre des choses comme ça, on a tendance parfois à se mettre en colère, hein, ce qui est normal. Et là, on vous dit, attention, ne tombez pas dans le panneau, hein, ne tombez pas dans cette énergie qui va encore plus vous détruire énergétiquement parlant. Essayez vraiment de voilà de vous dire ok bon bah c'est tout j'ai compris il y a eu cette grosse dispute maintenant c'est bon je veux prendre soin de moi je veux pas rester dans la colère ou dans l'agressivité maintenant je prends soin de moi et je vais vers mon bonheur et là je vais vraiment vers mon bonheur ce déplacement ici d'ailleurs tiens je vais savoir construire ensemble ah, attendez déplacement voyage. Voyez, séparation temporaire, sérénité. Et c'est vous, hein. C'est vous en fait, hein, qui allez décider de vous séparer de manière temporaire de cette personne à cause de ce que vous avez découvert. Alors là, on parle quand même de séparation, mais temporaire. Pour retrouver, vous voyez, votre sérénité, hein, dans ce déplacement, peut-être que vous allez faire des choses vraiment qui vont vous faire du bien, peut-être. Tout simplement aller à, je sais pas moi, à côté de la mer, dans la forêt, ou faire une petite balade. Ça va vraiment vous faire du bien. Voyez, avec les grands tracas, hein, séparation temporaire. Hein. Ouais, c'est vraiment quelque chose de gros quand même. Hein. Parce qu'à chaque fois que ça parle bah, de ce mensonge, hein, on en revient au grand tracas, destruction et tout, quoi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez gros, quoi. Mais par contre, voilà. Avec cette personne, hein, effectivement, on voit que vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours. Donc, il y a bien un lien qui est très, très fort. C'est peut-être pour ça que c'est une séparation temporaire, le temps de guérir, de retrouver sa sérénité, de retrouver le calme, etc. Et peut-être qu'après, par la suite, il y aura une discussion entre vous hein, pour régler tout ça. Regardez, voyez, âme troublée, c'est ça. Hein. Et regardez, c'est qui? L'énergie masculine. En fait, cet homme... Cette femme d'énergie masculine, vous voyez, aura son âme complètement troublée. Elle ne pourra pas être tranquille, quoi. Elle ne sera pas apaisée. Regardez,
Voyez, elle ne sera pas apaisée, pardon. Elle sera triste, elle sera mal, elle sera troublée, elle aura toujours son âme troublée, c'est-à-dire qu'elle va toujours. En gros, elle n'aura pas d'apaisement. Elle n'aura pas une sérénité dans son cœur et tout ça. Il y aura une conscience. Je ne sais pas ce que c'est ce mensonge, hein. Vraiment. Mais apparemment, enfin, ça a l'air d'être quelque chose d'assez grave, quoi. Parce que bon, pour arriver jusque-là. Mais c'est temporaire, hein. Donc c'est que les choses, effectivement, pourront quand même s'arranger. Bon, on va voir. Je vais prendre quand même un petit message avec cet oracle. C'est quoi ce mensonge? Est-ce qu'on peut vous le dire avec celui-ci? Mais bon, de toute façon, je vais prendre le tarot. Je pense que là, on aura besoin du tarot, hein. C'est des obstacles, hein. C'est des obstacles. C'est quelque chose qui a bloqué votre relation, votre lien. Ou votre joie. Voyez, il y a beaucoup d'émotions par rapport à ce que vous allez découvrir. Qu'est-ce que vous allez découvrir? Le pouvoir de l'amour, hein, qui peut tout arranger, hein, on vous dit. Tout arranger, tout aligner. Vous allez retrouver en fait cet alignement. Bon, on ne veut pas me le dire avec l'oracle, donc c'est pas grave. Je vais voir avec le tarot. On va voir. Bah, quel est ce mensonge? Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de prendre celui-là. Ouais, je vais prendre celui-ci. Le tarot, c'est vice-versa tarot. Voilà. Hein, vous avez le côté, voyez, comme ça et comme ça, en fait. C'est les tarots qui sont comme ça. Donc, il est un peu compliqué, hein, celui-là, mais bon, on me dit de prendre celui-là. Donc, quel est ce mensonge? Voilà. Quel est ce mensonge? Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce mensonge? Oh là là, j'ai tout de suite le diable. Le diable, les voyez, avec le dos. Avec le dos. Donc, c'est une personne qui était dans quelque chose de très toxique, d'accord? Mais qui en sort. Qui en sort. Elle en est sortie, en fait. Mais voilà, il y a toujours quand même, bah ouais, roi de bâton. Donc il y a quelque chose au niveau de la sexualité, il y a quelque chose là. Ah ouais. Ah oui, j'entends au niveau sexuel, hein. Au niveau sexualité, il y a quelque chose de toxique que vous allez découvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, il y a quelque chose au niveau de la sexualité. Neuf de coupe. Ok. Et 9 d'épée, cette fois-ci, à l'envers. On a l'impression, cette personne, elle va avoir l'impression, vous voyez, que tout, devant elle, hein, que tout est bloqué. Vous voyez qu'il y a toutes ces épées là, qui sont là. C'est quelqu'un qui va se dire, purée, tout est bloqué, quoi. J'arriverai jamais à aller vers ce soleil, à sortir de cet endroit. Mais justement, le 9 de coupe, le 9 de... Oh! D'épée à l'envers, c'est justement... Cette personne qui commence enfin à voir le bout du tunnel, à sortir en fait de cette énergie très 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 toxique et à voir du coup le bout du tunnel, hein, peut-être une solution ou quelque chose comme ça pour le 9 de coupe. Hein. Donc vraiment ici pour réaliser le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait, mais là c'est un rêve qui est brisé. Il se retrouve seul, voyez? C'est quelqu'un qui se retrouve seul au lieu de d'avoir ce souhait qui se réalise. Hein, il se retrouve seul en fait. Seul face à toutes ces épées, à tous ces mensonges, à toutes ces énergies négatives. Voilà, qu'il a en fait. Hein. Il se retrouve seul face à tout ça, mais il va voir le bout du tunnel parce qu'il va retrouver, vous voyez? Alors je dis il, mais vous interchangez par rapport à vous. Hein. Il va retrouver, vous voyez, un équilibre ici. Hein. Il va retrouver un équilibre pour justement aller vers un nouveau départ. Parce que, bah ouais, il y a une vérité qui ne vous a pas dite. C'est ces mensonges. Hein. Ces mensonges qui vont arriver et qui vont sortir, vous voyez, comme sortir d'une grotte ici. Hein. Sortir du noir. Hein. Et c'est vous qui allez découvrir tout ça. Mais comment vous allez découvrir tout ça? Comment vous allez découvrir tout ça? Ouais. En tout cas, vous, ça vous mène vers la réussite pour vous.
Et comment vous allez découvrir tout ça en fait? Comment ça se fait que vous découvrez ce mensonge? Comment vous allez le découvrir? Alors là, on a le 8. Vous allez découvrir le 8 de deniers et la lune ici. Vous voyez? On voit le masque dans la lune. On est bien, hein, la lune, c'est bien quelque chose en fait qui est caché, qui est sombre et qui va être dévoilé. C'est en rapport... vous allez le savoir comment? Je pense que c'est en rapport... Vous allez le savoir peut-être en allant à son travail. Ou quelqu'un de son travail va dire quelque chose. Un collègue, une personne qui... C'est en lien avec le matériel financier professionnel. C'est comme ça que vous allez savoir ce qui est caché ici, de sombre. Je ne sais pas si les signes du cancer vous disent quelque chose, parce que là j'ai le cancer. Mais j'ai aussi les signes de feu. Voilà, vous voyez, hein, on a le 3 d'épée. 3 d'épée ici, ouais. Il va essayer de se sortir de cette trahison, de ce cœur brisé. Il va essayer de sortir de ce cœur brisé pendant que vous, vous prenez soin de vous. Alors vous, on vous voit bien prendre soin de vous. Hein. Voyez comment vous allez vous sentir bien. Hein, je vous dis, hein, c'est un mal pour un bien. Pour vous, c'est un mal pour un bien. Vous, vous allez vraiment tout droit vers le triomphe. Hein, pour vous, vraiment, c'est ça. Vraiment. Alors vous allez être pas bien du tout, mais ensuite, voilà, vous allez vers votre propre réussite. Et toute seule, hein, c'est pas avec quelqu'un ou non, vous allez vers votre réussite toute seule. Tiens, peut-être que, je sais pas, j'en parle pas souvent de ça, mais je ressens comme un animal totem, le lapin, lièvre, lapin, qui pourrait, ou la colombe aussi. Je sais pas, ça pourrait vous parler. Peut-être que vous allez en voir beaucoup. C'est peut-être des signes aussi que vous allez voir. Dans un moment de découragement. Vous voyez, vous allez être découragé, hein, la force. Ah non, pardon, c'est pas la force. Ah ouais, mais je vois le lion ici. Ouais, mais non, mais c'est ce que j'entends de toute façon. J'entends le découragement. Vous voyez? Parce que de toute façon, la tempérance, elle est à l'envers. Hein. Il n'y a pas de guérison, il y a un déséquilibre. En fait, ici, vraiment, j'entends ça. J'entends que dans ce moment de découragement, où vous n'allez vraiment plus avoir aucune force intérieure, tellement que vous serez, j'entends, choqué par ce mensonge que vous allez découvrir, dans ce moment de découragement, vous allez être guidé, vous allez avoir en fait des signes. Et les signes seront énormément des signes qui vont venir des animaux, en fait. Des animaux qui vont beaucoup vous aider. Qui vont vraiment vous faire du bien. Vous voyez, par exemple, vous allez voir une colombe juste à côté de vous et ça va vous donner le sourire et vous allez ressentir une paix intérieure. Peut-être un lapin blanc, j'arrive pas à le dire, je sais pas pourquoi. Mais il y a des signes par rapport aux animaux. Vous voyez, regardez, c'est ça. Lève-toi et marche, Jean 5 à 8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Vous voyez, vous allez en fait être abattu, quoi. Vous voyez? Vous allez, sur le coup, vous allez tomber par terre, comme tomber par terre. Vous allez dire, non, mais là, j'en peux plus. Là, c'est bon, j'en peux plus. Mais vous allez vous relever et vous allez être encore plus forte qu'avant. Écoutez bien ça, vous allez être encore plus forte qu'avant. Vous allez vous relever et vous allez être encore plus forte qu'avant. D'accord? Parce que vous allez vraiment décider, regardant dos de deck, de ne plus revenir en arrière. Vous allez vraiment décider d'aller de l'avant, de ne plus revenir en arrière. Ah ouais. Alors ici, par contre, lui, je l'ai laissé de côté, là. Ici, on a qui? On a le valet de bâton, hein, qui va être persuadé de quelque chose. Hein. Alors, il va être persuadé de quoi, ce valet de bâton, ici? Page de bâton. Ah, bah, c'est le 6 de coupe, hein. 6 de coupe, mais ouais, c'est pas quelqu'un qui... En fait, il va vous attendre. C'est une personne qui va vous attendre. Bon, je vous montre. Hein. Vous voyez J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous attendre et qui va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Pourquoi elle ne vient pas vers moi? Vous voyez, j'ai encore le cancer ici.
Beaucoup le signe du cancer, hein. J'ai encore les... Ouais. Pourquoi elle ne vient pas ou il ne vient pas vers moi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'attends qu'elle vienne et elle vient pas. C'est quelqu'un qui pense qu'elle va, que vous allez venir, en fait. Que vous allez revenir comme ça vers lui ou vers elle. Vous voyez? Ouais, que vous allez faire en gros un choix avec les amoureux. Si vous allez faire un choix pour vraiment vous retrouver et aller de l'avant. Voilà. Et là, on a l'as de denier, hein, ouais, à l'endroit, donc super. Donc, il y a un cadeau, hein, un cadeau divin qui vient vers vous, hein. Vous allez découvrir quelque chose de beau juste après, parce que vous allez décider d'aller de l'avant, de ne plus revenir en arrière, de vous lever, de marcher, de foncer. Mais cette personne, elle pense que vous allez faire un choix, que vous allez laisser tout derrière vous, hein, tout ce qui s'est passé, puis hop, on y va, on revient vers un nouveau départ, on commence un nouveau départ ensemble, beaucoup plus stable, etc. Alors que non, c'est pas le cas. Vous prenez soin de vous et c'est tout. Voilà, vous allez prendre soin de vous et c'est tout. Et c'est super parce que ça vous amènera vers le jugement, vers un renouveau, vers une résurrection, mais vraiment très très belle. Hein. Beaucoup de soleil là, beaucoup de... Une carte qui illumine, vous hein, voyez? Et cette personne n'arrivera même plus à prendre soin d'elle-même, hein, cette personne. Ouais, elle sera pas bien, vous voyez? Elle restera avec ce fardeau ici de ne pas avoir réussi en fait à vous garder dans sa vie. Hein. Ouais, de te couper. Hein. Parce qu'il vous voit toujours hein, et il va toujours vous voir hein, comme la bonne personne. Hein. Il va toujours espérer en fait être avec vous, revenir avec vous ici, hein, c'est clair. Hein. Parce qu'il y a comme une sorte de guérison entre vous, vous voyez, comme si chacun se guérissait ou quelque chose comme ça. En tout cas, cette personne surtout, elle ressent comme une guérison en étant auprès de vous. Hein, j'ai vu 26, 26. Mais vous, là, vous aurez plus besoin de prendre soin de vous et de vous éloigner. Hein. Ouais, vous aurez besoin de vous éloigner de cette personne et prendre soin de vous. Vous allez partir, vous n'allez plus revenir. Et cette personne, elle va rester comme ça, désespérée. Elle n'aura même plus envie même d'être avec d'autres personnes ici. Hein. Elle sera complètement bloquée. Et en plus, elle restera attachée à vous et bloquée dans cette situation, sans trop savoir quoi faire. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, sentiment d'amour réciproque. Vous voyez, dans cette situation, dans cette âme. Dans ce moment-là où il ou elle aura l'âme complètement troublée, eh ben voilà, il va se rendre compte hein, des sentiments hein, qu'il ou elle a pour vous, des sentiments très très forts, et que ces sentiments étaient en plus réciproques, qu'il avait vraiment bah, la chance d'avoir un amour bah, réciproque. Et que lui, en fait, bah, voilà, il a fait quoi? Il a fait n'importe quoi, vous voyez? C'est ce qu'il va se dire. Hein. Il va se dire, purée, j'ai fait n'importe quoi. Là, maintenant, je ne peux même plus voir, enfin, avoir des projets d'avenir. Je sens que tout est bloqué devant moi. Si ces projets d'avenir ne sont pas avec elle, je n'y arriverai pas. Hein. Et du coup, il va faire un souhait. Hein. Pendant ce moment de séparation, c'est quelqu'un qui va faire un souhait. Et c'est quelqu'un qui va se reconnecter aussi à son enfant intérieur. Et qui va vraiment se rendre compte hein, de cet amour ici entre vous. Ah ouais, il y a vraiment ce côté, je reconnais cet amour, je reconnais la grosse erreur en fait que j'ai faite en la perdant, en ayant menti. Marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie et aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Vous, c'est ce que vous allez faire. Vous allez décider de marcher vers l'amour, vers l'amour, vers la paix, tout simplement, pour retrouver vraiment votre paix, votre joie. Et vous allez prendre soin de vous en ne restant pas dans la colère, etc. quoi. Deux de coupe ici. Regardez, j'ai l'as de coupe, mais à l'envers. Avec le deux de coupe. Vous voyez, la relation, bah, cette personne va se dire, c'est fini, quoi, je l'ai perdu. C'est fini, je l'ai perdu, hein, mais elle va garder espoir. Elle va quand même garder espoir hein, en cet amour, en cette relation. Même si elle va se dire qu'elle a perdu votre amour, elle va garder espoir. Hein, et elle va retrouver la paix. En gardant espoir, en fait, ça lui donne comme une certaine paix. Et ça l'aide à guérir. Vous voyez? En fait, cet amour, le ou la guérit, quoi. Carrément. Hein. Voyez les doutes. Hein, il aura beaucoup de doutes. À cause de l'entourage hein, qui va dire, ouais, mais non. Elle t'aimera plus, enfin c'est fini quoi. Elle ne t'aimera jamais.
Elle ne t'aimera plus jamais, etc. Enfin, vous voyez les personnes négatives là qui essayent de... Voilà, abondance. Alors, doute sur quoi? Voilà, choix. Et homme avec mauvais chemin, vous voyez? C'est quelqu'un qui va comprendre hein, qu'il a pris un mauvais chemin. Au départ, bah, il aura des doutes, hein, forcément. Au départ, il aura des doutes par rapport à ce qu'il a fait, est-ce que j'ai vraiment bien fait, etc. Puis ensuite, il va se rendre compte qu'il a pris le mauvais chemin en faisant, en mentant. Enfant, adolescent, cette personne ne ment pas. Il va se rappeler que quand il était adolescent, enfant, ou quand, dans le passé, il ou elle va se rappeler qu'il n'était pas comme ça, qu'il ne mentait pas, qu'il était très sincère, etc. Et là, bah, il s'est emprisonné dans quelque chose, quoi. Dans quelque chose de toxique. Dans une rencontre, peut-être. Manipulation. Ah, dans une rencontre manipulative. Ok, et là, on a la sexualité. Alors, moi, je pense que oui. Je vous ai dit tout à l'heure que je ressentais, avec la carte du diable et tout, je ressentais que ce mensonge était en rapport avec la sexualité. Et j'ai l'impression que cette personne, ici, s'est fait comme manipuler pour rencontrer quelqu'un. Elle a été comme dans une emprise par rapport à cette personne. Ou, je sais pas, il y a eu quelque chose, en tout cas, qui l'a comme emprisonnée dans cette relation qui est une manipulation. Et on a la sexualité. Donc, il y a quelque chose en rapport avec la sexualité. Donc, peut-être que cette personne a essayé de manipuler pour qu'elle tombe dans le piège. Et puis qu'ensuite, vous pourriez savoir par la suite qu'elle vous a trahi. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. En fait, c'est tout a été fait exprès par l'entourage. Ouais, dis donc. Alors bon, bah écoutez, je sais pas si la guidance vous a parlé, mais en tout cas, on va prendre les derniers messages ici. Bah voilà. Bon bah écoutez, hein, ça, en plus c'est Marie-Madeleine, vous hein, voyez, le pardon, bah oui, hein, Marie-Madeleine. Bon, voilà, regardez le pardon et regardez la pause. En fait, bah voilà, ce qu'on vous conseille, hein, c'est ça. On vous conseille que, bah, tout simplement, il y ait ce moment de pause entre vous pour, en fait, réussir à pardonner. Parce que sinon, ça sera beaucoup plus difficile. Mais là, dans ce temps de pause, en fait, vous allez tellement prendre soin de vous, vous relever. Enfin, voilà, vous aurez vraiment le temps pour vous que ça va effectivement vraiment vous aider à pardonner et à aller de l'avant, quoi. Pardonner veut dire se libérer, hein. Vous n'allez pas revenir avec cette personne. En tout cas, pas tout de suite. Mais vous allez réussir à vous libérer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Donc voilà, les belles âmes. J'espère que la guidance, en tout cas, vous aura aidé. C'est un peu fort, hein, quand même. J'espère que la guidance vous aura aidé. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci encore du fond du cœur de m'avoir suivi. Merci pour vos abonnements. Merci aux anciens abonnés et aux nouveaux abonnés. Merci aussi à tous les membres de la chaîne. Merci infiniment de l'avoir rejoint. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Et merci, bien sûr, pour toutes celles et ceux qui ont précommandé. Donc voilà, vous pouvez bien sûr réserver hein, dès maintenant si vous le souhaitez. Et puis bien sûr, pour les autres précommandes, hein, vous avez celui-là de Jésus d'amour qui est en précommande. Maria Ange d'amour aussi est en précommande avec l'extension. Enfin voilà, c'est à vous de voir. Et vous avez aussi ma grande cathédrale améthyste et agate, entourée de l'agate, qui est encore en stock à moins 30% avec la livraison offerte. Si vous souhaitez aller voir, vous pouvez y aller. Voilà, ça peut vous apporter beaucoup de très belles énergies chez vous. Voilà, je vous fais en tout cas de gros, gros bisous. Encore merci pour tout. Merci également pour votre patience hein, par rapport à tout, aux précommandes. Voilà, merci beaucoup. Hein. Qu'après, quand c'est une précommande, de toute façon, hein, on sait bien que voilà, il y a un petit peu de temps. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle une précommande, d'ailleurs. Et voilà, donc merci vraiment encore du fond du cœur d'aimer mon travail, d'aimer ce que je fais. Hein, que l'oracle, celui-ci, je ne l'ai pas fait pour rien. Hein. Avec l'obsidienne, c'est vraiment par rapport au fait de se protéger contre justement le mauvais œil, les énergies négatives, néfastes et tout. Donc c'est vraiment aussi un oracle qui peut apporter une grande protection quand il arrive chez vous, voyez, voilà, c'est pas pour rien, ainsi que l'oracle aussi de Jésus d'amour, hein, je l'ai réalisé avec mon évangile, donc c'est pas pour rien aussi,
Hein, c'est pour vraiment apporter de la protection et de très belles énergies divines qui arrivent également chez vous. Il y a 83 cartes hein, de celui-ci et l'autre 105 cartes. Voilà. Donc, bah, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous le souhaitez. Vous avez plusieurs options aussi. Hein, comme l'oracle de Jésus d'amour, c'est avec ou sans boîte. Maria, ange d'amour aussi, avec ou sans boîte, avec ou sans l'extension. Donc voilà, regardez bien hein, parce que vous avez plusieurs choix. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Prenez soin de vous. Et si vous souhaitez bien sûr retrouver les bracelets que mon frère réalise, tout est en description également. Hein, c'est sur le site mariaangearchange.com. Voilà. Et mes oracles sont dans l'autre site, hein, le site Etsy. Hein. Celui-ci, c'est le site de mon frère. Voilà. Bisous à tous, à très bientôt et encore merci.